Personne ne meurt. Violent. On en 3v3. C'est un drop main, je crois. S'il vous plaît, j'aimerais qu'ils mettent pas un round, d'accord? Let's go. Vous m'écoutez pas, les mecs. Leur lit était propre, hein, sinon. Alors, let's go. Vous continuez comme ça. Let's go, let's go. Les gars, vraiment, hein. 1 minute 30. Allô, 1 minute 30, on a. On a perdu. Oui. Ouais, je prends. Si il rentre, il est mort. Ouais, je joue le piano. Il recule maintenant. Je vais le mettre dans la bridge. Faut faire, c'est qu'il faut prendre le main et que je drop à la trappe et que je plante jukebox. Il faut qu'il y en ait un qui reste au-dessus et deux mains, s'il vous plaît. Attends, ça t'inaille, vas-y, prends-moi. Pas main, y'en a un, Frost, je joue vers dessus. Ok, il reste à rage au mur. Remonte, Frost, t'inaille. Y'en a un contact à droite de la bridge. Dans les voyants bleus, non? Ok, mais c'est bon. Mort. On fait une classique, ouais. Your best teammate. Remember it. S'il vous plaît, j'aimerais qu'ils mettent pas un round, d'accord? Let's go. Tu peux aller jouer au Nado, hein, comme d'hab, va jouer. Vas-y, je vais aller couper les assassins. C'est un drone solar, double drone solar. Un qui part basse-room, un dans l'escalade solar. C'est un drone. La sac à ma soeur. Mais vite. Ils ont pas l'info, vite. Et redrone encore solar. Il descend le drone. Tu l'as vu? Un serre, boum. Ah, dommage. Trop live. Ah, mur office ouvert. Sur toi, il est à droite, ils sont à droite. Ok, il a deny, il a pété la cam. Office. Dans l'office toujours. Vous avez pété le mur. Une minute, vous êtes bien. Tu veux pas le drone? Drone main, partie top main, le drone. Il arrive dans la librairie, le drone. Derrière toi. Canine, hein. Nice, attention, canine. Final canine toujours. Ouais, j'ai drap. J'ai drop main, moi. Un top main, zéro top main dans la librairie. Zéro librairie à la trappe, deux librairies. Toujours librairie. Attention, escape bleu, hein. On a pas l'info, escape bleu. Un top main, un librairie, un top main. J'ai plus l'info après. C'est un drop main, je crois. Mort planteur. Mort le planteur. Ça va rentrer. Je mort. Je dis plusieurs et muré. Moi, tu les window, un muré. Arrête, les deux murés. Là y'en a un. Oh putain, mais va. Là c'est le dernier. Allez, bad. On est mort one by one au top là. Ouais, il est mort. Lui il est mort. Vous les laissez dérouler le truc, etc. Vous le connaissez le plan de jeu, hein. Tu le sais, hein, France, hein. Master, il va péter ton shield. Ils font la même chose que vous. Tout le monde fait la même chose, hein. Je sais. Donc la prochaine fois, il faudra essayer de se poser les bonnes questions à un moment en se disant comment est-ce que je peux intervenir à un moment du round avant ou après pour éviter que le rouleau compresseur de l'attaque me déroule et alors que je vois le truc devant moi, quoi. Aussi, réfléchissez à un truc, le call du plan incliné sur le toit, d'accord? Vous le voyez, la ligne qui donne vers Mezza là, que tout le monde prend, le plan incliné là, le petit plan incliné de merde. J'aimerais qu'il ait un call celui-là, bien spécial. Vous voulez l'appeler plan incliné, mais c'est de la merde comme call. Mais réfléchissez-y, d'accord? J'ai pas envie d'entendre toi quand le mec est sur le toit. Ça, c'est pas vraiment un toit celui-là. Il a une incidence. Go l'appeler 6-4, hein? Non, go l'appeler plan ou un truc comme ça, quoi. Go l'appeler pixel, c'est une ligne pixel. Ouais, non, pixel c'est toujours un coin pute, donc par définition. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un toit, mais toi, un truc à la con. Ce truc là, ici, cet endroit là, il faut qu'il ait un call. Là, ouais. Il est pente, ok, c'est le nouveau col. Pente, okay. Une pente, quoi. Vous le voyez tous? Non. Ouais. Ok, nickel. Il y a juste le mec pente et le mec kinane qui peuvent te couper. Attention, piano, attention. Tu préfères le mec pente, t'es prêt? Vas-y, t'es prêt? Va, pente. Nado, j'ai la cam pour toi. V3, c'est win. C'est rentré piano. Y'en a qui va deny le Haruni. Et moi, je peux jusqu'à. Ok, y'en a un master et un piano. Ils refont la même chose, hein. Si tu peux essayer de jouer un C4 dans l'office. Il est. C'est ce que j'essaye de faire. Vous me dites qu'on boom, en fait. Ça va pas le wall. Là. On peut le wall, donc. Attends, ça deny, ça deny. Pour moi non. Vas-y, Nado. Bien joué, parfait. Ok, il reste la rage au mur à gauche. Au mur, elle est murée là, tu la vois plus? Bah, je pique pas. Elle doit être murée encore. Faisons les scamines, une ligne sur le muret. Vas-y. Vas-y, Zaiden, go pas la respecter elle. Elle est artefactée. Non, elle m'a déchiré. Elle a la wind. Couloir. Elle a drop, je crois. La chaussure. Ça rentre pas, Babi là? Non, ouais, Babi. Oh, elle m'a vu. Dining. Et dining, allez, on trouve pas. Prends la cam main, s'il te plaît. Bien joué, Zayden, let's go. Au moment où j'ai fait le call de dire Zayden, go pas la respecter, est-ce que quelqu'un a vu partir Zayden et aurait pu se dire à un moment, j'aurais pu le suivre? Moi, je l'ai suivi, je suis allé derrière. Sauf que je me suis fait défiler derrière. Ouais, et quelqu'un qui a du skill la prochaine fois? Librairie, il est rentré, il est contact mur close, il est desk librairie. Ouvrez la trappe cuisine, tu vois. Attends, je veux jeter trophée, moi, attends. Prenez la cam, tu peux la pick, hein. C'est free pick, hein. Accompli. Vas-y, vas-y,
Bien joué, mon boy. Avec c'était main, je pense, non? Tu penses que t'arrives à la bridge? Avec c'est canine. Y'en a un pont ou pas? On sait pas, je suis occupé là. Dans le couloir bleu, il pique la porte piano. Il est au middle. Non, pas main. Toujours close droite. Ça doit monter. Elle recule. Juste ledge, hein. Ils ont moins de nade. Il reste Yana, Ibana, je sais pas qui. La bridge est open, non? Ouais, Yana à la bridge. À la bridge, hein, toujours. Mort, double pour piano. Prends le piano, je smoke bridge. Vas-y, je prends piano. Encore un piano, bah oui, je fais. Piano. À la bridge. Je vais reprendre le piano, attends. Je prends le piano, je vais de reprendre la bridge. Je smoke piano pour back. J'ai la cam solar. T'inquiète, je dis. Il a pas couché piano, il me reste une smoke. Moi j'ai piano. Ça va planter. Je dis que le planteur. Je vois pas. À la bridge. Je le vois pas planter. Il plante contact, je pense. Il plante bombe, il est passé. Contact bombe. Ah, dommage. On les voit pas passer, c'est dommage. Allez, let's go les amis, tranquille, hein, c'est... Voilà, on est là pour se faire plaisir. Et on est en prac, donc on est toujours dans une logique d'apprentissage. Il va y avoir des trucs cool, des trucs pas cool, etc. Là maintenant, vous me remontez tout ça et vous les défoncez, ok? Alors vous avez fait la même chose, let's go. Okay, c'est pas celui-là en fait, je comprends pas. Est-ce que... Garage, non? Ouais, garage. La cam garage. Dans les voyants bleus, non? Oh, cam bleu, mort, 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 mort. Mort, ok. Il y en a un autre. Encore un cam bleu. Mort, BP. Est-ce qu'un bleu? Câble, je le back par le garage. Oh. Joué. Belle réaction. Nado. Ouais. Tu penses que t'aurais piqué combien de fois là? 6, 7, 8, 9 ou 12 fois là? Quand t'étais dans ton closet, tu fais le kill sur le premier, etc. Machin, bonne réaction, bonne lecture du jeu avec la bonne lecture de la caméra. Mais pourquoi tu repiques à chaque fois, bordel de queue? Bah, ils se touchent rentrer, faut qu'ils bêtent, non? Non. Le premier pied, il coupe totalement l'attaque. Il y a une moins 2, il regarde sa kill feed, c'est bon, quasiment l'attaque vient de tomber, etc. Il a pas à repique. En plus, sa présence au niveau de la chaussure est super relou pour le mec blue. Le mec blue, il se dit, bah, je peux plus rien faire, je peux plus passer là. L'attaque vient de tomber, l'attaque tombe à l'eau, je vais sûrement remachin. Le seul truc que tu peux faire que le mec blue veut, c'est que tu le joues. Et toi, tu lui donnes exactement ce que tu veux, ce qu'il veut. Et joue greedy. Et t'as greedy. Ça, faut arrêter, les amis. Jouez pour gagner, ok? Faites les chier. Autrement, vous allez faire exactement la même chose. Et tu refais la même chose que tout à l'heure. Et c'est du drill boîte de concert. Vous allez prendre l'habitude. Vous allez me répondre, ouais, mais c'est qu'une prac. Mais vous allez prendre cette habitude-là de pick alors qu'il faut pas de temps en temps. Alors qu'il faut jouer avec eux. Genre leur casser les couilles. Faut prendre juste les picks utiles. Ok. On a pas de setup, donc restez pas longtemps. Ok. Vous deux, y'en a un qui veut jouer top main, les gars, ou pas? Ou y'en a un déjà? Un mec balcon qui nine. Rentrez qui nine. Mort qui nine. Bonjour. Je vais jouer, Matt. Je vais jouer, Dayden. Ah, je suis mort. Nice, je vais mourir. Fnat solo, je pense. Ouais, je prends. Si il rentre, il est mort. Ok. Il recule, Master. Double window. Il a 50 HP. On est 3v3. Je joue le piano. Un canal, un bridge. On m'attend dans la bridge. Ok, on s'oriente de côté main. On s'oriente de côté main. Pas main, frost. La librairie c'est clair, vous pouvez prendre tout le top. Okay, moi qui joue le top. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le main et que je drop à la trappe et que je plante jukebox. Il faut qu'il y en ait un qui reste au-dessus et deux main s'il vous plaît. Je crois qu'il y a le top. Pas main, y'en a un frost, je joue vers dessus. Y'en a un qui prend la main. Frost. Il faut un mec main s'il vous plaît. Stock toujours. Remontez sa main, frost. J'ai pas le temps de rentrer. On a juste stock qui va me remonter, mais. Ah, y'a un frost. Go, contentez de planter? Non. Vous m'écoutez pas, les mecs. Dommage. Scap, t'es témoin qu'il n'y en a aucun qui m'a écouté là. Bah moi je suis resté au trap. Non, on est toujours dans la même logique que celle qui a expliqué. On en reparlera. Une minute, vous êtes bien, vous faites la moins 2, etc. Après, vous perdez du temps sur le deny 2. Parce que tu appelles pas les personnes. Parce que tu demandes. J'ai besoin Nado, de deux personnes. Non. J'ai besoin de deux personnes dans le main. Il me faut deux personnes dans le main. Personne ne va prendre la responsabilité de me dire elle me parle à moi en fait. Il faut que tu ordonnes. Je donne toutes les positions et il y en a aucun qui s'est mis à une position. Enfin, genre celui qui est à la window, je comprends pas. J'essaie de prendre le main, mais la frost main elle m'a. Enculé, ce que je veux dire, c'est que vous êtes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je sais pas qui rota à la fenêtre game, ça je l'ai jamais call. Bah, ça je sais pas non plus. Et je sais pas qui va à la trappe librairie, ça c'était pas ce que je voulais non plus. Genre, il y a eu deux positions. Vas-y, un ou trappe. En fait. Bah ouais, mais la trappe bar, j'ai dit trappe bar, il y en a un, je veux planter, j'ai dit, je vais planter jukebox, il me faut deux mecs main et un mec à la trappe bar. Oui, mais il est là le problème. En fait, il faut que tu dises directement qui doit faire quoi. Oui, mais après, faut pas non plus qu'ils aillent dans des positions que j'ai pas données, tu vois. Je suis d'accord, mais en fait, à partir du moment où tu ne les appelles pas, du coup, ils vont continuer de faire un truc qui pourtant est totalement décorrélé des quatre positions que tu aurais pu donner. Et c'est normal, c'est l'effet tunnel en fait. Donc la seule possibilité d'attirer l'attention d'une personne, c'est de l'appeler par son pseudo et ou à la limite le perso sur lequel il est, c'est tout. Lion Sledge, let's go, on prend le main tous les deux, let's go. Et là, il y aura pas de problème.
c'est ce qu'on a dit dernièrement. Non mais c'est facile, oui mais c'est facile à dire, mais quand c'est en 5, quand il y a 5 personnes à appeler, 3 personnes à machiner, c'est pas facile. Voilà quoi. Leur lit était propre hein, sinon. Alors let's go, on va continuer comme ça, let's go. Aronia elle est libre. Ok Nano, tu restes sur les deux drones. Non, je le fais. Ok vas-y. Je vais dénapper en dessous ma maille. Attends. Oui. La cam. Il y a un shield muré à deny. Il y en a un contact à droite de la bridge. Il est mort. Il y a un shield muré à deny. C'est bon. Allez master. Elle est violon. Personne ne meurt. Bridge chez qui j'ai planté. Un mec bridge s'il vous plaît. Ouais merci. Bonjour. On s'en fout du shield, elle est pas contact. On prend le temps les gars, ça marche très bien. Tranquille. Oui, faut s'écouter surtout. On fait une classique ouais. Librairie. Classique c'est ok. C'est librairie. Okay. Premier objectif, on prend le librairie plus top main. Je peux te la prendre. C'est quoi l'info que tu dois avoir? Faut pas que ça rentre games. Y'a un mec, il rentre games, il a le stock, devant toi. Il y en a deux stock games sur toi. Nice. Librairie clear. Cool, top main clear. Comme ok, je drone le bleu. J'ai lâché le drone là. C'est full renfo, Mezza. Mezza, c'est open, vous pouvez venir. Ok, j'arrive, Mezza. Faut péter la cam. J'essaie de. Le hutch. Attends, j'ouvre le. Prenez les lignes. Gardez tes smokes surtout, Master. Deny ou pas. Il faut deny par en dessous, deny le mur. Passe, Twitch, redescends. Ok, Master et Nero. Non, pas Master, Zayden et Nero, pardon. Vous restez au top. Il faut deny ce truc là. Il faut mettre une nail. Je peux pas le taser. Ouais, faut deny. Je vais l'avoir. C'est free plant hein, par contre, je comprends pas là. Ouais. C'est free plant hein. C'est vraiment fort. La porte kitchen elle est castle. Ah ouais, faut juste smoke là-bas. Hein. Il y a juste Babylon. Allez, go. Ça va C4 muret. Il a les trous depuis le top. J'ai envoyé smoke muret aussi. Ouais, je vais planter muret. Je plante muret. Vas-y, il est passé muret, il est top main du coup. Putain, 50. 75. Top main. Il est sur top main. Fais gaffe au main. Toujours main, Mulizy. J'ai 6 bas bridge. T'as tué qui là? Kitchen là, Je m'éloigne. Ok, tranquille, on a l'info, il est. Je colle. Il vient d'avancer. Miroir. Plus d'info. Main. Il est dans la cheminée. Derrière toi. Porte, derrière toi. Voilà. Il a pas le temps. Je pars du muret. C'est plus loin. Je crois qu'elle passe juste. Je vous attendrez s'il vous plaît. Quand je vous dis que j'ai pas le top. Les gars, vraiment, hein, 1:30. Allô, 1:30, on a. On a perdu. Oui, mais en fait, le problème, c'est 1:30, mais si ils sont pas setup, y'a rien. Le truc, c'est quand même, Zayden n'est pas setup. Y'a rien, il y a un C4 verti, vous êtes tous morts. De comment tu veux faire de la verti sur le béton? Tu mets un C4 pour prendre la verti pour ta plante, t'es morte. Y'a pas trop, ok, il peut en faire. Pourquoi? Parce qu'on a pas le top. À la base, on avait. 1:30. 1:30, vous exécutez. Alors que je vous dis, je n'ai pas le putain de top, il vient de mourir. En fait, il y a eu un call, on peut lancer la plante parce que même en perdant le top, c'était pas grave. Bah oui. Bah la plante, que si. Et il a fait quoi en fait le mec au top du coup? Bah peut-être il a push main, mais il a pas push par les trous. Il a jamais fait trop dessus. La plante était partie depuis longtemps, elle plantait murée. C'est juste fallait garder le top main en fait. Mais sauf que Zayden n'était pas prêt à ce moment-là. Allô. Ok. Il quittait trop tôt. Et donc du coup. Ok, bah my bad. Bah mauvais call de plante tout de suite, on aurait pu prendre notre temps. Ah donc du coup. Donc du coup faut friser. Et du coup un autre truc aussi, quand la plante semble trop facile, en règle générale, c'est qu'elle l'est. Hein. Dans ce cas-là, si c'était vraiment free, de se dire on va planter cette bombe, si c'est vraiment free, il n'y a rien qui va changer, mis à part un super setup, on va planter à 15 secondes. Il nous reste 1:15. Pourquoi la planter à 1:30? Tu vois, en se disant attends, tu vois, merde, qu'est-ce qui se passe au top? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on est vraiment couvert? Vous avez 4 nades, hein, y en a forcément un qui peut lâcher sa position pour y aller. Hein. J'y vais, je lâche la mienne alors. Mais j'ai pas le. Vas-y. Bah là, je lâche. Moi, dans la librairie, mort. Game. C'est sûr, t'as tué là? Non, y'a deux frost et y'a un as. Stock. Bar, il arrive sur toi, Nero. Il est couleur bleue maintenant, il va. Non, long, pardon. On a pas à remonter. On a pas à la remonter, main. Oh là, il sort salle de bain. Y'en a qui te flanque Blue Stairs. C'est frost, Blue Stairs. Ok, tiens, je vais remonter top main, ça vient piano. Qu'un piano. Un piano, un V2, un piano. En dessous de toi. Il est où? Oh, il est. Je l'ai pas vu. Oh putain. Alright guys, du coup en quelques temps là, qu'est-ce qu'il y a à dire? En règle générale, café ça s'est plutôt bien passé. L'adaptation en défense elle était pas bonne et en attaque ça s'écoutait pas, mais vraiment pas du tout. Et moi c'est pour ça qu'on perd beaucoup trop de drones. Ouais. Il y avait aucune structuration. L'intensité dans les calls, est-ce que tu penses que tu pourras essayer de la travailler la prochaine fois? Ok. De mettre un peu plus d'entrain, tu vois ce que je veux dire?
L'intensité, c'est hyper important. C'est aussi important que la qualité des calls, mais l'intensité, je pense qu'elle est importante, quoi. Après, bon, il y en a qui, s'ils ferment leur gueule et qui vont mettre des, distribuer des baffes, ça va pas être un souci, quoi. Et en l'occurrence, c'est ce que tu c'est ce que t'as super bien fait en défense et tout. Néanmoins, l'intensité des calls, tu vois, faut y aller, quoi. Tout le monde a donné vraiment des calls avec une super intensité. Nero sur la capacité sur les attaques et tout. Deux fois, il donne le call instantané, vraiment avec cette intensité de nécessité d'aller pusher, tu vois ce que je veux dire. Là, le round de Frost, là, sur la fin, c'est pas super bien joué pour un mec qui joue solo. À 1.30 sur le truc, ce round, il est imperdable, en fait. Imperdable, tu vois. Sauf une erreur, et vous lui donnez l'erreur. En l'occurrence, plus personne ne couvre le main, machin, quoi. Donc, il faut pas hésiter à ce moment-là à s'imposer et à dire non, j'ai compris, ok. J'ai compris, effectivement, que le bomb site était vide. Oui. J'ai compris que j'ai compris qu'on avait la possibilité de le planter. Oui. Mais j'ai aussi compris qu'il nous restait 1:30, que j'ai le temps de lire un bouquin et qu'il y a peut-être une possibilité que là, ils nous couvrent par là, quoi. Et ils nous prennent par là, quoi. Donc, laissez-moi le temps d'y aller. Tranquille. Attendez. Freezer, ça veut dire drone ou rien faire, en fait. Hein. C'est, voilà, quoi. C'est pas prendre des lignes, c'est pas péter avec le sledge les murs sur le bomb site, etc. C'est vraiment ne rien faire. C'est vraiment zéro fucking risque, quoi. Voilà, c'est ça. Le freeze. Et là, c'est là que tu aurais dû le demander en disant attendez, deux petites secondes, tranquille, on a le temps. C'était cool, que du positif. Et j'espère que vous avez kiffé, honnêtement.